Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 et toujours avec les Ming bien entendu, toujours avec les Ming et donc on continue un tout petit peu notre petit bonhomme de chemin dans l'histoire. Alors ce que je voulais faire, que j'ai remarqué un petit peu juste avant, c'était ici, voilà, il faut je voulais enlever le chef ici, aller le mettre en sud de l'Australie aux troupes que j'ai là. Parce que voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Je ne sais même pas si c'est colonisable ou quoi que ce soit. Donc j'aurais bien voulu savoir. J'ai besoin d'un conquistador pour aller voir ce qu'il y a sur ces terres. Donc on va utiliser notre conquistador. De toute façon, on est tranquille de ce côté-là du monde. On a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut, tout ce qu'il faut. On est tranquillement en train de coloniser les Straits. Tranquillement, la côte californienne. On va essayer de s'approcher des Aztèques. Comme les Aztèques nous kiffent bien, on essaiera de les mettre sous protectorat, comme la Russie a fait avec la Horde et tout. Ce serait sympa d'avoir les Aztèques sous protectorat. Après, il y a les Mayas en dessous, un peu plus bas. Donc si on peut continuer les voyager jusqu'en bas et aller chercher l'Amérique du Sud, pourquoi pas? Mais ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Parce que l'Amérique du Sud, c'est quand même un petit peu envahi. Un petit peu envahi d'Espagnol. Alors oui, il y a un nouveau truc qui a été fait, c'est que voilà, ils ont des, on peut voilà, on peut en fait faire des colonies. Je sais pas du tout comment ça se fait, faire des colonies comme ça qui sont considérées un peu comme des pays finalement, des pays vassaux. Le chef suprême colonial de Floride, Hispaniola et Castillan-Brésil. Alors la Floride, bon bien sûr c'est au niveau des États-Unis, hein, toute la pointe là des États-Unis qui fait la Floride actuelle, qui appartient à l'Espagne et qui est sous le nom de Floride et c'est considéré comme si c'était un pays à part. Machin chose, alors j'aimerais bien pourquoi pas faire ça moi, avec l'Australie par exemple. Alors je sais pas si après on contrôle quand même le pays ou ça fait comme si c'était un vassal quoi. Donc le mec il se démerde tout seul quoi. Que nous on est alliés à vie et puis. Et voilà. Ah bah voilà, là je peux voir qu'est-ce qu'il y a. Ah bah tiens, on peut le coloniser en plus. On peut le coloniser. Donc je n'ai pas fini l'Australie, il me manque ce petit territoire qui ne vaut rien. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'ici quand même, non? Ah mais non, ça, on a... Ah si si, c'est l'explorateur donc oui. Ouais parce qu'il est dessus. Il est dessus. Alors reconquête, on s'en fout. Attends qu'il traverse. Et que 500, ils sont même pas agressifs, ils ont même pas de férocité. Allez, on va avancer jusqu'ici. Et on va revenir. Non, fais pas le tour quand même, hein. T'as peut-être pas déconné non plus. Voilà. Et voilà. Ça me paraît être un bon truc, ça. Donc voilà, on peut aller sur cette île là, qui ne sert à rien. Voilà, de toute façon, il peut, on est en terre de chez nous là. Non, on peut laisser pour aller retrouver la pointe qui est en bas là-bas. Peut-être aller là. La colonie aussi, mais là on est en plein dans l'Amérique, hein. On est dans l'objectif supplémentaire, l'objectif bonus. Le bonus max, les États-Unis. Tranquille, on va se tailler une petite part du gâteau. Doucement. Doucement, surtout très doucement, hein, pas trop vite. Faudrait vraiment que j'explore, hein, tout ce carré-là où je n'y vois rien, là, parce que. Les eunuques isolent l'empereur. Mais c'est pas grave. J'ai besoin de stabilité, j'ai pas besoin de stabilité. Allez, je vais gagner du prestige, j'ai pas besoin de stabilité. On a plus 100 de prestige. Pourquoi on perd moins 4 par an? Parce qu'on en a trop. C'est ça. C'est le racisme. C'est le racisme, on a trop de prestige, alors du coup on en perd. Allez, vas-y, montre-moi le petit bout. Je vois le petit bout là qui est colonisable, je le vois là. Pêche-toi un peu là, oh. Alors, comment se portent nos colonies? On va peut-être augmenter un poil la vitesse du coup. Ah bah voilà, tu vois, là tu vois là. Oh, ça va pas perdre beaucoup d'unités là. L'ordre teutonique. Quoi? Accepter l'unité religieuse avec Autriche dans la fois que. Ah bon, parce qu'il l'avait pas déjà. Alors là, il y a encore le dernier territoire qui nous manque. Alors, tu vas peut-être. Alors, c'est qui? Russie, ah merde. On va être arrangeant parce que j'ai pas envie que donner une raison aux Russes de m'attaquer. C'est bien assez tendu comme ça.
Voilà, comme ça on va découvrir un peu ce qu'il y a au bout là. J'ai pas envie de donner aux Russes, tant pis, on va perdre un point de stabilité. J'ai remarqué aussi, tiens, je me souvenais plus. C'est pas grave. J'ai remarqué aussi que j'avais de l'inflation. Donc je vais de suite la baisser. Voilà. Voilà, ça va mieux. On va s'augmenter la stabilité. 280, d'accord. J'ai pas assez. D'accord. Bon, c'est pas grave. On perd un petit peu d'argent. C'est pas trop important. L'argent, ça va. On n'est pas trop embêté. On n'a pas de soucis financiers. Allez. On s'agrandit doucement là. Voilà, il commence à y avoir un marketing là. On peut toujours pas les coloniser celle-là. D'accord, ouais, mais ça c'est. Oui. Ça je veux bien savoir, mon petit loulou, mais. Le souci, mon grand garçon, c'est que là c'était des trucs qu'on pouvait pas coloniser du tout. De la laine. Pommeau, de la laine. Pourquoi pas? La fourrure, de la laine. Là on sait pas et là on sait pas. Donc ça veut dire que ça se développe. C'est bien, il y en a une qui est presque finie là. Alors, on peut pas avoir un colon de plus? Je veux un colon de plus. Je need le colon de plus. Alors toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... tu ne peux rien faire. Ça c'est con. Tu vas attendre que ton pote y revienne là et on va le... On peut porter 9 régiments et on va les envoyer là. Gagner de l'effectif gratuit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Supprimer, non. Rassurer Russie. Atteindre 100, ça va être un peu compliqué, voire impossible. Non, papa, bah, je parie que si on veut donner des sous, offrir un présent. Voilà. Voilà, il faut donner à peu près tout ce qu'on peut avoir comme argent pour avoir une misère. C'est même pas la peine. C'est pas grave. Et on a des troupes, c'est pas grave non plus. La trêve qui a bientôt expiré, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a des revendications sur quoi? Comment ça, on a des revendications sur ça? Je veux voir, vas-y, montre-moi. Je suis là. Pourquoi j'ai des revendications sur... Ouais, je les avais plus. Je les avais plus, ces revendications. Tiens, je peux pas me faire un méga pote avec la Corée et les aspirer. Sans moi. Voilà, comme ça, moi, je suis pas emmerdé. Je les mange. Trop cool! Allez. Les suivants, Taïwan. Bon, ça, il y a des problèmes de religion à Taïwan. Ah oui. Bouddhistes. Sans chiant, ces bouddhistes, hein. On se calmer un peu, hein. Alors, ça, c'est bon. Là. Et vous allez aller là-dedans. Et vous allez aller jusqu'ici. Bon, ça va, c'est pas trop. Voilà. Alors, comment ça avance là-bas? 965. Ça, là, va bien. Ça va bien. Bientôt fini. Et bientôt fini. On pourra avancer un petit peu. Et fourrure, ça fait plaisir. Alors, on va attendre qu'il y aille. Après, on va faire revenir le bateau. Revenir ou même pas. Voilà, ben on a trouvé la province. Alors, au pire, on n'aura qu'à la coloniser la prochaine fois qu'on a un colon. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et un donne plus 2, c'est ça, en argent. Ouais, plus. 15% de... Et 20% ici, et là-bas, je parie que c'est plus intéressant. C'est plus intéressant ici. Bon, ici, on a 0. Ah, les gens sont pas plus chauds d'aller là qu'en Australie. Vous êtes un peu bêtes, les enfants, hein? C'est cool! Et maintenant, on a le corps automatique, si j'ai bien compris. Voilà, on a toujours le corps automatique, ça fait plaisir. Donc, du coup, j'ai un colon qui ne fait rien.
Alors du coup, est-ce que je l'envoie en bas ou est-ce que je continue à coloniser par ici? Cette région est trop éloignée, ce qui est faux, parce que même si j'ai celle-là, voilà. Celle-là, je peux la prendre et l'autre, non, ce qui est très con. Donc là, genre à chaque fois, j'aurai un problème à ce niveau-là. Ça, c'est chiant, ça cause des mises à jour. Celle-là, admettons, je ne pourrais pas l'envoyer parce que cette région est trop éloignée, alors que c'est pas vrai. On pourrait essayer de continuer tout par là. Mais ça vaut pas grand-chose après. 1, 2, 1, 2. Ici, on était déjà au maximum. Les bâtiments, bah, tu vas me faire le minimum. Minimum syndical. Et après, bah, on va continuer vers le bas, hein. Voilà. Comme ça, bah, on va aller vers les Aztèques, hein. Ce serait l'objectif. Tiens, vassaliser les Aztèques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on a l'Australie, hein, on a les 90% d'Australie. Il nous manque un tout petit territoire, on a deux petits territoires, celui en bas là et celui-là. Mais bon, on s'en fout. Hein. Personnellement, on s'en fout. On a Hawaï, donc on a fait les objectifs. Et on va un petit peu industrialiser notre pays. Parce que finalement, on n'a rien fait. Finalement, on n'a rien fait. Poste de police. Est-ce que ça vaudrait le coup? Ici, ça vaudrait le coup. Ici, c'est déjà fait. Ici, dans le pays, là, ça vaudrait pas un peu d'argent, ça? Ici, ça vaut rien. C'est exact. Et le poste de police, ça vaudrait un peu plus. Une armerie. Terrain d'entraînement, on peut pas faire. Atelier. Des quais. Nope. Caserne. Ils ne sont pas intéressés. Tribunal, ils en veulent pas. Poste de police ou truc d'impôt. Alors peut-être par ici. Allez, on gagnera un tout petit peu d'impôt. Alors la wake. Allez là, la wake. Petit poste de police. Et Hawaï. Hawaï est déjà en train de construire. Et vers là-haut, alors qu'il n'y a rien du tout qui est industrie. Il y a des bâtiments là-haut. Hop. 60, 60. De toute façon, il faut bien le faire à un moment ou à un autre. Hein. Mes territoires, ils font plus 0,8. Même si ça me coûte une blinde. Il faut quand même le faire. Je vais d'abord le faire dans mon pays. Avant d'aller le faire ailleurs. Mais plus d'argent. J'ai dépensé tous mes sous. J'ai dépensé sans compter. Du coup, j'ai plus de sous. Allez, je vais laisser tout ça se construire. Et en colonie, ouais, merde, c'est vrai que c'est... Ah non, c'est bon. Ferra déclarer guerre à ses ennemis. Venise purge de l'hérésie. D'accord. Faites ce que vous voulez, les gars. Faites ce que vous voulez. On s'en fout de ce que vous voulez, de ce que vous faites. Hein. Enfin, personnellement, moi, je m'en fous. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ici? Qu'est-ce qui se passe? On va récupérer nos hommes. On va récupérer nos hommes. Ça sert à rien de les laisser là. Faillite marchande. Non, marchand. Hop là, attends. Du poisson, trop cool. Et avoir perdu son dernier duc. Allez, tant pis, je perds 10 de puissance. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Je le retiendrai sur ta prochaine. Hein? Bien compris, quoi. Hop, là, on fait direct le bâtiment. Et donc, on a de nouveau un colon de disponible. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer. On va tout simplement avancer. Est-ce qu'on pourrait pas. Qu'est-ce qui vaut plus le coup, là? 3, ben, sans hésiter, on va prendre celui-là. Et donc, c'est pommeau. Donc, on a avancé ici. On va avancer de 2 cases par là. J'ai assez d'hommes là pour 500. Et ça sera 5000 pour 500, donc ça va. Il devrait pouvoir s'en sortir. Elle est où ma flotte? La grande flotte.
S'il vous plaît, je voudrais ma grande flotte. Avec plein de bateaux là. Elle doit être là, voilà. Il y a là, voilà, des grands bateaux. Je vais y assigner mon explorateur. Ok, je gagne de l'effectif gratuit. Ok, c'est pas trop grave parce qu'on a gagné. On a des hommes qui sont là, qui protègent nos colons. Allez. Ils sont là. On va les faire revenir à la maison. On va laisser les 9000 bateaux. Ah, tlatata. Alors, la défense des territoires. Blablabla. Fortification améliorée, défense locale perdue, moins 50 du cas. Bah oui, vas-y, carrément. J'en ai carrément besoin, mon grand garçon. Bon, il faut que je me méfie au niveau de l'argent. Bon, heureusement, je gagne 30 tous les mois. Ce qui est quand même plutôt bien, hein, on va le dire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Modificateur d'entretien de... Ah! Oula! Alors attention, on va regarder un truc exceptionnel. L'armée me coûte combien? L'armée me coûte... Bon, la même qualité, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Me coûte presque 40. 40 par mois. Attention, celui-là on va le faire. C'est celui-là, il vaut largement le coup. Non, c'est celui-là. Hop! Bim bam boum. Elle me coûte plus que 35. J'ai gagné à peu près 5. À peu près, à peu près, à peu près, presque. Voilà, elle me coûtait 40, elle me coûte plus que 35. Donc ça va. On minimise un tout petit peu les... Non, non, tu vas rester ici, voilà. Et puis on va dire que pour l'Australie, c'est bon. Trop de tâches, quoi. D'accord. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai pas grave, j'ai compris, j'ai compris. Les gars, on enfoiré. C'était salopard. Allez, on va envoyer notre amiral. Monsieur l'amiral. Descendez de ce bateau. Et vous allez aller, d'ailleurs aussi, c'est qui? Mon petit loulou qui est dans cette armée aussi, il va descendre de cette armée. Descends là tout de suite. Fais pas le con. Et on va te remettre sur les bateaux. Parce que c'est ta vraie flotte. Voilà. Et toi, du coup, tu vas te faire un grand voyage. Tu vas aller déjà. Merde, je t'ai désélectionné sans le faire exprès, je m'excuse. Sauvegarde automatique, s'il te plaît. Merci. Voilà. Hop, tu vas aller jusqu'à Hawaï. Et de Hawaï, tu vas traverser jusqu'à là-bas. Et tu vas essayer de faire tout le bal, hein. Ça me paraît un peu difficile, mais c'est pas grave. Toi, c'était quoi ce signe-là? Non, c'était quoi qu'il y avait... Ah, c'est ça. Je disais que j'avais jamais vu ce signe-là. Oh là, c'est quoi? Fédération tribale. Monarchie féodale. Et nous, on est un empire... Un empire machin-chose, là. Un empire monstrueux de la mort. La Russie nous aime, hein, ils nous aiment doucement. Ils nous aiment doucement, alors on va travailler nos relations. Ici, comment on nous aime bien eux? Ils nous aiment bien, ça va. On n'a pas d'autres. Non, mais ce qu'on a qu'à faire, on n'a qu'à les manger tout simplement. On se prend pas la tête. Hein. Mariage royal avec la Horde. Ils sont que alliés avec nous. Comme tu veux, mon petit loulou, comme tu veux. Comme tu veux. Offrir la vassalisation. Et bim! On fait ça? Ça, on est tranquille. Putain, j'aimerais bien pouvoir être allié avec le russe. Putain, ça serait épique, ça, être allié avec le russe. En temps, faire confiance à Ming dans une certaine mesure. Ben voilà, tu vois. Moi, j'aimerais bien offrir une alliance. Mais c'est pas grave, j'ai toujours des unités militaires qui protègent mes colonies. Tu m'as pris pour qui, toi? Attention à la frontière. Ben vas-y, gagne-la ta revendication, tu vas voir un peu. Tu vas voir un peu si tu viens la chercher, ta revendication. On va mettre des troupes pas loin de la frontière. Comme ça, au moins, on va être dans le couac. On va pas comprendre.
dire qu'est-ce qu'il fait? Déplacement de troupes. Déplacement de troupes. Ah. Même à plus 10 soi, mais j'ai pas droit à beaucoup de relations. Ah, j'en ai droit à 6, c'est vrai. Et je peux. Ouais, je peux investir dans quoi? Création nationale d'effectifs plus 25%. Ça, c'est cool. L'ordre de. Ça, c'est cool aussi. Coût des navires moins 10%. Vitesse de construction de navires, je m'en fous un peu. C'est quoi la doctrine là? Mise des effectifs terrestres plus 33%. Boum! Le talent diplomatique plus 3. Ok. Hop, et ici c'est quoi? Moins avancé d'Asie, ok. Ici. D'accord. Modificateur national d'effectif. En plus, il nous en faut qu'un seul, c'est ça? Un seul et on aura modificateur national d'impôt. Bim, je vais le choisir alors. Je vais le choisir de suite, sans aucune forme de pitié. Vitesse de construction des navires, des vaisseaux. Je m'en fous. Des navires, je m'en fous un peu. Choisir, je préfère celui-là. Statistiquement parlant, c'est quand même mieux. Et je gagne en plus un modificateur d'effectif, donc plus 25%. Et plus des impôts, plus 10%. Et là, je me retrouve à. Ah, mais c'est vrai que j'ai que 2 en stabilité. Avec un 3 en stabilité, je me retrouverai à 0%. Et là, ça pleuvrait des sous-sous, les impôts. Ça pleuvrait des sous-sous. Il a pas bougé mon. Ah, c'est cool. Simulation d'indigène. Ok, l'Ukraine. L'Ukraine existe. Ok. Arrive où mon bateau? Il est déjà parti là, mon petit loulou. T'as pas compris qu'il était déjà parti? Il est pas déjà arrivé d'ailleurs? Si, 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 c'est ça. Il est déjà arrivé. Si je te dis d'aller là. Non. Na 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 na. Si je te dis d'aller Terra Incognita. Ah oui, c'est vrai, tu peux pas aller plus loin qu'une case après toi. Excuse-moi. Excuse-moi mon grand garçon, tu m'excuseras. Je ne m'en souviens plus. Il peut pas explorer plus d'une case à côté de lui en fait. C'est pour ça, si je lui demande d'aller là, il faut pas pouvoir parce qu'il faut d'abord qu'il aille explorer la case qu'il y a là avant d'aller voir la suivante. Donc on va surveiller son exploration. Sinon, elle risque de mourir. Blablabla. Bla bla. Ah, ben voilà, on a découvert un bon truc, là. Un bon gros morceau, ici, là. Comment ça s'appelle? Bassin du Pacifique Central. Ok. Il faut essayer de rejoindre les États-Unis, là. Blablabla. Bla bla. Il faut réussir à voir tout ce qu'il y a là, là. Tout ce qu'il y a de blanc, là. Il faut qu'on soit les maîtres de ce secteur, de ce secteur, tout simplement. Tout simplement, sans aucune forme de pitié. De dynastie. Pourquoi tu voudrais pas? Moins 1000. L'impôt de base totale de Corée est supérieur à 30. Et alors? Et alors? M'en fous, moi. C'est ton problème, ça, non? C'est pas le mien? Bon, bah tant pis. Bon, c'est bon, tant pis, on aura des bonnes relations, hein, qu'est-ce que tu veux. Avec la Horde. Et menaçante. Il est allié à Shan. Donc, je suis allié à Shan aussi. Je suis allié au Pégou. Tiens, je vais augmenter mes relations avec Shan, parce que... Il me kiffe un peu moins. À la bonne heure. De la laine. De la laine. De la laine ici. Encore de la laine. Mais c'est où que j'avais du poisson? C'était ici, non? Non. Fourrure, c'était ici, poisson. D'accord. D'accord, d'accord. Et hop. Voilà. Il y a du monde qui va mourir, peut-être. Mais on aura découvert un petit morceau du Pacifique. Ça fait plaisir. Les premiers à explorer le Pacifique en bateau. Donc on est toujours bon, oui. On est toujours bon, toujours impeccable. Toujours ce territoire qu'on pourra pas unifier là. Ça va être chiant. Ah, par contre là c'est 5000 là, directement. Et ici c'est 500.
aucune restriction des marchands étrangers, blablabla. D'accord. Mon enfoiré, ça va me faire perdre de l'argent. Putain, ouais. Putain, ouais. Heureusement que je gagne beaucoup. Ça compense. Il a quel âge? Il a 28 ans, mon héritier. Il a quel âge? 4, 3, 5. J'ai un monsieur qui est décédé. Il est décédé, il me faudra un plus 3. Bon, c'est pas grave alors. Ouh, on m'a dit que j'étais en entretien des armées, moins 10%. Il a que plus 1, mais franchement, rien que pour ça, par rapport à la taille de mon armée, ça ferait. Voilà, ça fait déjà du presque du moins 10, avec l'amélioration qu'on a eu déjà avant. Et du coup, là, au niveau des doctrines, il ne reste plus que. Il ne reste plus que 3 points, 3 petits points. Pour débloquer les 8 bannières, créer les 8 bannières et avoir toutes les doctrines chinoises. Ça, c'est les Pickness, ça, toutes les doctrines chinoises. Là, on serait directement dans les Pickness. Alors, ça, bien sûr, on peut pas coloniser. Ça, on peut coloniser, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. On va continuer vers le bas, hein. Je peux pas savoir, moi. Pourquoi je peux pas envoyer là? D'accord, je suis obligé d'envoyer par là. Eh bien, on va envoyer par là, on va gagner la côte. Et toi là-haut, bah, tu vas aller là-bas. Ici, il y a 0. Ici, il y a 5000 quand même, hein. Pas que faut que je fasse attention à mes armées là. Hop. Bah, ça c'est bon. Bah, ça va doucement. Ça continue doucement. Derrière les bateaux, ils sont revenus là. Trop cool. Trop cool, les bateaux ils sont là. Je vais attendre qu'ils soient réparés parce qu'ils ont pris cher un peu. Ah bon, mais on se débrouille, hein. On se fait notre place. Candidat à la domination du monde. Plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pégou. Pégou a déclaré la guerre à ses ennemis. Conquête. Ah mais t'as pas peur, toi, mon grand garçon. T'as pas peur. Il était que allié à moi en plus. Ouh, on va approcher nos troupes de leur frontière parce que s'ils nous demandent de l'aider. Moi, je prends une part du gâteau, hein. S'ils me demandent de l'aider, je les aime pas. Boum! Voilà. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Si nous refusons, nous gagnons 25 de prestige. Ben, on va refuser. D'accord. On va refuser. On n'est plus allié avec Pégou. Rien à foutre. Rien à foutre parce que nos alliances ne valent rien finalement. On peut pas trouver un bon allié bien sympathique là. Le Yémen, non. Des Mamelouks, non. L'Espagne. Ah oui, c'est vrai, je suis candidat à la domination du monde. Le français. Le français est neutre. Français est allié à pas grand chose. L'Algérien. L'Algérien est neutre. L'Ottoman. L'Ottoman, non? Ah, j'ai pas candidat à la domination. Ah, si. Candidat à la domination du monde. Et moi, sinon, on vous aime pas? Moins 35. Okay. On peut pas avoir des alliés un peu plus proches. La Sibérie. Sibérie, Kazan. Finalement, dans l'optique, il faudrait plutôt être allié avec. Avec la Horde, ce serait pas mauvais. On va attendre qu'il revienne, le petit loulou. Ah oui, j'ai envoyé, c'est vrai. Ici, j'ai envoyé améliorer les relations, mais on est déjà à 200. Donc, tu vas te calmer de suite. Voilà. Voilà. Hein? Et on va envoyer le monsieur une fois qu'il va revenir. Attends, on va regarder qu'est-ce qui se passe là, parce que qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'attendais que ça se recharge. Alors, c'est bon, il est là, il est là. Alors, du coup, on va l'envoyer ici. On va l'envoyer améliorer les relations avec la Horde. On a combien d'alliances? Non, c'est ici qu'on. On a 4 sur 6. Comment c'est qu'on a toujours 4 sur... Ah, parce qu'on a toujours. Oui.
Parce que c'est toujours le lien royal avec Pegu. Elle me déteste maintenant. Alliance déshonorée. Quel con. Quel con, quel con. Moins 52. Relation hostile. Eh, hey, c'est toi qui as commencé. Friction à la frontière, non? Querelle vraie, ben voilà. En cas de revendu, d'accord, avec la Sylvanie, c'est une diplomatie contre Ming. Ouais, non. Être arrangeant, non? Bah non. Non, non, on va te faire foutre alors. Je perds pas encore de la stabilité. Hein. Pas savoir, moi. Unité religieuse, perfection intérieure, ça coûte cher quand même. Hein. Du coup, en technologie, je vais être un peu à la bourre après. Hein. Alors, on est bientôt à la technologie 15 en diplomatie. Non, c'était celle-là qu'on était plus à la bourre et on va se retrouver avec celle-là la plus en avance. Bon, non, on va, de toute façon, on a nos diplomates qui sont occupés, on va les laisser finir. Par contre, Shan, tu fais pas le con. Hein. Et il faudrait qu'on fasse une alliance, Horde, Ming, Shan. Ça pourrait être une bonne alliance. T'es en guerre contre qui, toi? Contre le Pegu. Ah oui, bah oui, forcément. Et par contre, ça c'est pas malin de la part du Pegu. Hein. Non, j'avais aucun intérêt, moi, à aller me joindre à lui, je suis désolé. T'as cherché la guerre, hein. Donc voilà, niveau 15, technologie. Militaire. On a débloqué, qu'est-ce qu'on a débloqué? Des trucs... frégate ancienne. Bon, on va faire naviguer un petit peu nos troupes. Voilà, on va faire juste manière d'explorer un peu le secteur. Il y a des bateaux là. Des bateaux qui vont sur eux. Allez. Oh non. Ok. Ça, on s'en fout. Allez, ça avance doucement. Doucement, ça avance, mais doucement. Doucement, doucement. On fait notre petite place là-bas aux États-Unis. Finalement, notre territoire, il est quand même vachement grand. Hein. Il est quand même énorme, notre territoire. Tout ça. Tout ça. Ça là-haut, tout ça là-haut. Et les petites îles par-ci par-là. Ça fait plaisir quand même, on a quand même fait un très très grand territoire. Alors le jeu s'arrête du coup, je crois, dans 200 ans. Comme ça. Donc on a encore le temps de faire des choses. On a encore le temps. Encore le temps. Qui c'est qui revendique? L'Espagne? Comment ça, l'Espagne? Non, c'est pas possible. L'Espagne ne sait même pas que ce coin-là du monde, il existe. Enfin, elle me connaît moi, mais... je crois que sa vision s'arrête ici. Comment tu veux qu'elle connaisse une île dans les Philippines et qu'elle ait pu faire une revendication dessus? C'est pas possible. Là, ça doit être un bug, ça. D'ailleurs, de toute façon, ils pourraient pas me faire la guerre, ils sont beaucoup trop loin. Le temps qu'ils viendraient jusqu'à moi, ils seraient déjà tous morts. Faudrait qu'ils demandent des accès militaires à tout le monde avant de venir me voir. Et ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Est-ce qu'on a perdu des bateaux? Putain, on va en perdre des bateaux. Là, on va en perdre. Oh putain, non, on n'en a pas perdu. Oh, on n'a pas perdu en plus. De justesse, mais on n'en a pas perdu. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter encore un peu la vitesse. Voilà. Pour être bien, pour faire avancer un peu plus le temps. Je n'hésiterai pas à faire stop si jamais il devait y avoir des événements. On est passé en positif avec la Horde. Veux-tu pas une petite alliance, mon petit loulou? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas de diplomate à envoyer. Mais ça veut pas dire qu'il ne voudrait pas. Ah non, merde. Ah, c'est une nation assujettie. D'accord, tu peux même pas leur demander d'alliance. Donc ils peuvent pas briser leur alliance. Ça veut dire chat, en gros. Moi, je peux pas. Positif 2 actuellement, elle est le moins 55. Voilà.
Ça, c'est pourquoi, comment ça se fait, ça, que je... Hein? Gagner commerçant, mais je m'en fous. Mamelouk pour conquête. D'accord. Ça se passe en Europe. L'Alger déclare la guerre à Mamelouk. Garantit l'indépendance de l'Éthiopie. T'as bien raison, petit loulou. C'est bien. Tu es bien gentil. Alors, Lochan, il a changé ses unités militaires. Parce qu'elles ont perdu toute leur morale. Et on a toujours des gens qui vont améliorer nos relations. Parce qu'on peut pas les offrir la vassalisation. Le mec. D'accord. La frise. Blablabla. La frise, le Pays-Bas. D'accord. Putain, le Pays-Bas, c'est un petit peu amélioré quand même. Hein. Il fait partie du Saint-Empire, ok, d'accord. Eh ben, je suis content pour lui. Hein. Sincèrement, je m'en fous un peu. Dans ses actions de dynastie. Mariage royal et une alliance militaire. C'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Donc on est à 100% au niveau de... On peut faire un mariage royal, mais on peut-être pas déconner non plus. Si on peut pas avoir de meilleures relations que ça, on va pas quand même se faire chier à se faire des bonnes relations si bon on fait des bonnes relations parce que voilà mais sinon je sais pas. On a un diplomate de libre. Le Japon allié au rival. Et ouais. Bon, mes bateaux, qu'est-ce qu'ils disent, mes bateaux? Ils se réparent tranquillement, je suppose. Ouh, ça par contre. Ouh là, le Pégou, il est bien dans la merde. Il a fini sa guerre avec... Ah ouais. Elle a dû se retirer alors. Le Pégou, il est dans la caca. Si le chat m'appelle, là j'y vais par contre. Parce que le Pégou n'a plus d'alliance. Mais il va vite signer l'alliance. Hein. Il va vite signer l'alliance. Ça m'étonnerait qu'il m'appelle. Hein, parce que le Pégou vient tout juste de se faire agresser. Donc. Et en attendant, ça les protège vachement, ça. Hein. Allié à la Horde. Chan revendique cette province. Ouh là là. Ça, c'est pas cool par contre. Parce que si Chan commence à faire la guerre à eux, c'est la merde. Ah, on a fini une colonie. On a amélioré les relations avec Shan. Alors, est-ce qu'on peut... On a regagné un colon, effectivement. 500, ben on va continuer. On va récupérer ça en bas. C'est ça là qu'on a fini, on est d'accord. Hein. Et on va aller jusqu'en bas. Golfe de la Californie. Oh, on va faire du golf en Californie. C'est pas grave. On ira prendre tout ça après. Sans dès qu'on aura celle-là, on pourra commencer à reprendre là-haut. Et ce sera très bien. Alors c'est laquelle la plus proche à finir? C'est celle-là. Toujours pas fini d'ailleurs. Ah ouais, mais c'est parce que... D'accord. C'est parce qu'il y a... C'est parce qu'il n'y a pas de colon dessus. Tout simplement. Tu vas aller jusqu'ici. Et tu vas aller jusqu'ici. Tout ça, on peut le coloniser en plus. Le diplomate est arrivé. On a les deux diplomates de libre. Alors, mon petit loulou, est-ce que je pourrais pas éventuellement aller avec toi? Non, pas clandestine. D'accès. De blablabla. D'influence, proclamer une garantie, établir un protectorat. Dissoudre l'alliance, non merci. On peut pas leur demander d'influence, non.
L'alliance, non, non, non. Ouais, on peut pas tout simplement leur demander s'ils veulent pas qu'on vienne avec eux, quoi. Enfin, je pense pas qu'ils aient besoin de nous, mais... Cool, hein, des indigènes en plus. Bon, bah du coup, on va revenir placer nos troupes par ici. Tranquillement. Bon, je pense pas qu'il va se faire avoir, hein. Il a quand même pas mal de troupes. Par contre, j'ai toujours des liens royaux. Si on fait ça, stabilité moins 1. Ouais, peut-être pas déconner non plus. Donc on va pas briser les liens royaux, c'est pas grave. On a un mariage royal avec quelqu'un qu'on aime pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un... blablabla. On est... voilà, j'ai un mariage royal avec moi-même. C'est un vieux bug ça. Conquête coloniale contre Aztèque. Et contre Champa, quoi? Pourquoi on peut déclarer la guerre à Champa? C'est laquelle des provinces? C'est celle-là. D'accord. Ok. Champa est allié à quelqu'un? Champa n'est allié à personne. Intéressant. Intéressant. Intéressant, Champa est allié à personne. Et j'ai une revendication tout à fait légitime. Et je pourrais le transformer en vassal, étant donné qu'il fait si, assez peu de territoire. On pourrait toujours voir, hein. On pourrait toujours voir. C'est vraiment intéressant, ça. L'exigence... Ah, d'accord, c'est le Pégou qui est en train de prendre les territoires à l'autre. Un Maya, il semble que... D'accord. Qu'est-ce que je m'en fous des Mayas? Ah, il y a un territoire qui s'appelle Maya. C'est ça. Ils savent se débrouiller tout seuls. Puissance de commerce stockée, modification de l'impôt. Impôt. Impôt, impôt, impôt. Je pense qu'avec 35 000, ça devrait suffire. Puis-je savoir, de manière totalement cheatée, comment tu s'appelles? Champa. Champa, combien Champa a d'unités militaires? Infanterie, 9 000 unités d'infanterie, 2 000 et 2 000. Effectif, ils ont 13 000, ils ont 9 régiments. Ils peuvent avoir jusqu'à 17 000 d'effectifs. On peut avoir jusqu'à 160... On a 162 000 d'effectifs. Ok. Ils ont combien on a dit? Merde, je me souviens plus. Ils ont 13 000 d'effectifs et nous on en a 20 et 15 000 sur leur gueule. Alors ce qu'on va faire, on va jouer la sécurité à donf. Et on va ramener nos 20 000 là-haut. Et on va faire la guerre à Champa. On va faire une petite guerre là comme ça, tranquille, fin d'épisode, c'est la guerre. Nos chefs militaires est mort. Lequel? C'est l'explorateur, ça c'est con. Ça c'est con. J'aurais préféré que ce soit le conquistador. Voilà. Alors, si tu es prêt, tu fais ça. Ça. Et tu reviens là. Alors, en plus, on gagne 16 000 effectifs en plus. Totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Pas avoir, s'il vous plaît, de la stabilité. Stabilité gratuite aussi, j'aurais voulu. Mais ça marche pas comme ça. Et là, les impôts, c'est combien? C'est 0%. Et oui, oula! Pourquoi plus 60 je gagne? Bon, j'ai gagné pas. Ouais, plus 60. Boum, ça fait du bien ça. Un plus 60. Coût des navires moins 10%. Et là j'ai valeur chaque blablabla. Alors. Devient plus occident. Ah d'accord. Le Maroc est devenu occidentalisé.
Nous pouvons plus. Ah merde, ça c'est con. Ah, oh, cherchez con, j'étais. Eh, cherchez à jouer à pas longtemps là. Je sens pas, vous avez du bol. Est-ce qu'on va faire. On va faire un mariage royal, il faudrait peut-être pas déconner. Une action clandestine, on va faire falsifier une revendication. Pour. Cham Tascas même. Et on s'en fout d'être découvert, on s'en fout de l'expansion agressive. J'aurais plein de cul de la paix. Donc, c'est qui? C'est le Maroc qui est devenu occidental. Groupe technologie occidentale, ça fait plaisir. Une colonie, tiens. Ah. Californie a vu le jour à partir de nos provinces outre-mer de Ming. Californie est la nouvelle nation. La nation mère. Mais peut être amenée à s'en libérer en cas de mauvaise gestion. Ok. Ça appartient à. Californie Ming. Trop fort. Trop fort. D'accord, ça t'appartient. Une attitude de vassal. Ok. D'accord. Ok, ça marche comme ça. Ça, c'est con. Donc, on a encore toutes les actions qu'on veut dessus. C'est ça, hein, on peut. Merde, j'ai pas un. Si, si, voilà. C'est 500. Allez, bim, on envoie direct là, en suivant. D'accord. Eh bien, on a créé la Californie. La Californie. Ah, ça fait pas partie de la Californie. Ah, oui, c'est parce que c'est pas colonisé encore. Dada, blablabla. Tant pis, on va gagner de l'inflation. J'ai pas envie de perdre la stab, hein. Inflation, s'il vous plaît, c'est ici. Allez, voilà. Tiens, on gagne plus 60. On peut pas avoir un chef militaire un peu meilleur. Plus 3, discipline pour 5%. Allez, boum, prends. Plus 40, entretien d'armée. Parce que là, on peut pas avoir un. Non, productivité plus 10%. Prestige annuel plus 1. On perd 2,80. Bon, on s'en fout. Allez, productivité! Plus d'argent. Plus d'argent dans les caisses de l'État. Décision nationale disponible. Culture agricole. Blablabla. Et ça, concrètement, ça donne quoi? Culture agricole, productivité, coût technologie, plus 2%. Ça, c'est con. Allez, on va prendre pour la productivité. Ah, ben voilà, là, on a cet écran-là. Les sujets. Californie. Augmenter les taxes. Ouh, intéressant. Libérer aussi, j'ai quand même. Revenus coloniaux. Revenus des vassaux. Non. D'accord, ça c'est au cas où qu'il y ait jamais. Enfin, diplomatie, si on envoie une acte. Améliorer les relations. On va améliorer les relations? Ouais. C'est à nous. C'est à nous. Bordel. Donc même si je colonie. Ah, ben voilà. Voilà, la Californie. C'est partie là-haut de Californie. C'était une partie qui était juste là pour le couac. On va aller jusqu'ici. Intéressant ce concept. Ici, ça c'est en cours. Et ça on peut pas coloniser encore. Ça on peut pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut coloniser finalement? Ça c'est trop loin. J'ai pas de. Ah oui, c'est parce que j'ai pas de colons. Oui. Ici. Vous n'avez pas de colon à envoyer. Alors, celui-là, il est à 500, donc on va rappeler le colon. Et on va le renvoyer ici, et on va envoyer nos troupes là-dedans. Voilà. Comme ça, on colonisera un poil plus vite. Voilà, on a développé la Californie. La Californie. Trop cool. On a nos bateaux. Alors, révolution agricole. Gagner 2 impôts. C'est quoi cette question idiote? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça c'est pour les. Créer une forte digne de ce nom. Non, ça ira. Ça ira, ça me suffit ce que je paye pour la flotte. Hein. Mon gros garçon, ça me suffit largement. Alors du coup, on va pas faire la guerre à Champa. Hein. On va gagner quand même là. Ah!
D'accord, ah bah c'est bon, j'ai réussi, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on attaque? Tiens, dites-moi, pour le prochain épisode, pour ceux qui regardent cette série, bon, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais pour ceux qui regardent cette série, dites-moi si pour le prochain épisode, est-ce qu'on attaque Champa? Soulèvement indigène, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'on attaque Champa? Est-ce qu'on les fait de... On essaye de les faire devenir des vassaux? Ou alors on bouffe tout? Mais on va se prendre de la... De l'expansion de territoire, machin chose qui est pas bien là. Voilà, de la surexpansion. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de surexpansion. Non, je préférerais les transformer en vassaux, tout simplement. Comme ça, au moins, bah, je les garderai comme vassaux. Et puis voilà quoi. Si jamais j'entre en guerre, enfin personne ne pourra les attaquer. Et si jamais j'entre en guerre, mais ils seront forcément avec moi. Peut-être on pourrait essayer de faire devenir eux des vassaux. Eux là, ça me semble ne poser aucun problème. Ouais. Ça fait quand même quelques petits bugs cette mise à jour qu'il y a eu. Notamment quand on, si on avait déjà des colonies ou aux États-Unis ou si on avait déjà vu ça. Parce que là du coup on peut pas coloniser ça. Et ça fait des territoires un peu morts en fait. Gouvernement colonial. Affiche un désir de liberté de 1%. Non mais non, je veux pas moi. Pas de liberté là. Angleterre à Écosse pour conquête. Ça va chier. Ça va chier là-haut, ça va chier. Oula, putain, l'Angleterre, ouais, elle a bien mangé là, l'Écosse. Hein. Pourtant, à un moment, l'Écosse a été bien au-dessus. Hein. Ah ben, Pays de Galles n'existe plus. Chef suprême de Terre-Neuve. Et la France est un chef suprême de colonie? Même pas. Même pas. Même pas. C'est décevant. Franchement, c'est décevant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire revenir par ici. Ouais, même ici, là. Parce qu'on peut. Et on se rapproche petit à petit des Aztèques qui vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ici, il faudra qu'on le récupère comme celui-là. Mais c'est chiant, voilà, là on peut pas. Celui-là, on peut pas le prendre. Parce que, voilà, à cause des mises à jour, ça doit être sûrement un territoire qui n'existait pas avant, qui a été fractionné ou un truc comme ça. Et que du coup, bah, avec la mise à jour, bah, ça a fait bugger. Mais on peut quand même aller chercher tout ça comme dans la version de base. Ça, mais là je crois que ça s'arrête ici. Voilà, tout ça on peut pas coloniser. Alors sinon on peut pas. Personne ne pourra. Ça va, ça avance, la Ming, ça va s'afficher la Ming, miam miam. Enfin, il va s'afficher surtout Californie, mais... Finalement, ça fait un peu chier quand même, hein. C'est chiant qu'on soit obligé... Ouais, on peut pas... blablabla, gagner du cas. Ouais, allez. On s'en fout. Et déjà, celle-là, 600. Et ouais, c'est celle qui était le plus en avance, de toute façon. Du café! Ça, c'est bon. C'est où du café? C'est ici, là. Du café, cool. Ici, c'est du sel. Oula. Putain, on a des trucs plutôt intéressants, là. Ça fait plaisir. De la laine. Et ici, on avait de la laine aussi. Bah, ça va. Ça va, on n'est pas trop volé sur la... sur ce qu'on récupère. Ça fait plaisir. Les marchands s'en vont. Encore? Ils sont chiants ces marchands. Mais vous êtes pas bien chez nous! Non mais dis donc! Non mais dis donc! On va regarder ça, si on peut pas... Ah, plus 85, ça commence à devenir intéressant. Blablabla, blablabla. Blablabla. On l'avait pas fait, donc on va finir d'industrialiser ce secteur-là. Ce secteur-là, alors plus 40, plus 64, ça ne vaut pas le coup. Et là, ça vaut plus cher. Hop. Je regarde ce qui rapporte le plus en brut, hein. Plus 1 d'impôt, ça fait toujours plaisir. Parce que plus 1, plus plus 1, plus plus 1, plus plus 1, ça fait beaucoup. À force. Alors, on fait des tribunaux partout. Ici, par contre, ça rapporte rien. Poste de police, il y en a partout.
On va quand même les faire, hein. Parce que plus 0,40, plus 45, enfin plus 0,45, comme ça plein de fois, ça fait quand même du plus. Du plus. Plus du plus, ça fait du plus. Et là, plus 25, 0,25. Oh là, ça y en a plus d'argent. Mais on gagne quand même 36. On est redescendu à 36 quand même. On a que des. Alors, on a presque que des plus 3. On a le boost de productivité. 70% de productivité. Plus on a les 4 colonies en plus. On a que 10 en plus de maintenance coloniale. C'est pas énorme, hein. D'accord. Et si on n'a pas envie? Mais ils n'ont pas de. Ils sont quand même soumis, quoi. Ils n'ont pas de. Comment pourrais-je. Ah, bah si! Ils ont des unités militaires propres à elles. Enfin, propres à eux plutôt. D'accord. D'accord, c'est un vrai vassal, quoi. Tu te casses les couilles et c'est un vassal qui récupère tout. C'est ça, en fait, l'histoire. Nécropole, da. Ah ben d'accord. Donc oui, j'étais en train de dire, non mais il est pas mort. Une maquette à l'échelle de la Chine. Une armée de soldats en terre cuite. Blabla. Je m'en fous. Personnellement, je m'en fous de tout. 20 de légitimité. Chaque fois c'est 20 et puis après c'est militaire, administratif. Qu'est-ce que j'aurais le plus besoin de l'administratif? Les bureaucrates. Les bureaucrates. Et commencer au niveau technologie comme ça. Ouais, allez, une maquette à l'échelle de la Chine. Ouais, parce que nous on est comme ça. On est comme ça. On va essayer de finir une petite colonie quand même avant la fin de l'épisode. Ce serait bien sympathique. Et on s'en fout des soulèvements des nunuches là-bas. Ah! Ah, ils reviennent. Une personnalité diplomate. C'est toujours un diplomate d'ailleurs, le russe. Ah non, militariste. D'accord. Bon, s'il est militariste, on va rebalancer toutes nos unités là-haut. Tant pis. Enfin, dites-moi quand même dans les commentaires hein, si vous voulez qu'on attaque Champa. Ou alors qu'on les laisse tranquilles, finalement. Qu'on s'en fasse des alliés. Ah, mais Maya, c'est là, Maya, en fait. D'accord, c'est là, Maya. C'est là, Maya. Ah oui, le temple, oui, c'est vrai qu'on fait, des bâtiments. On industrialise un petit peu le pays. Ça va nous faire gagner des sous-sous, tout ça. Ça nous va nous faire gagner des sous-sous. Honorer les ancêtres. Gagner 1 en stabilité. Merde, j'en ai pas besoin. Perdre 1 en inflation. J'ai un combien? J'ai 1,83. Des traditions navales, militaires, machin chose. On va faire ça. On va gagner des sous et perdre l'inflation. Parce qu'il faut oublier qu'on commerce de l'or. Donc ça pourrait avoir une importance. Pourquoi j'ai perdu des gens? Bon, mais j'espère que ça se passera bien. Ça se passera bien. Augmenter les taxes. Est-ce qu'on peut les réduire après? 3%, mais déjà, mais ça monte vite quand même. Hein. D'accord, donc il faudra quand même... Ah, déjà, ils ont créé 3 unités alors que... Ils sont même pas capables de... Hein, voilà. Normalement, quand t'as des territoires que tu viens tout juste de coloniser, ça vaut rien. Enfin, tu peux pas vraiment. Voilà, t'as pas d'effectifs en fait. Alors, tu fais une réforme impériale. Mais je m'en fous. Autorité impériale. Diplomate. D'accord. Mais je m'en fous. D'accord, mais je m'en fous. Blablabla. Oh mais ça monte doucement. C'est celui-là, mais c'est celui qui a le moins de colons. Allez, fais-moi une petite colonie là. De l'or!
Boum! Ah oui, de l'ordre, bah oui, c'est assez logique finalement, de l'ordre de mon sharp. Et voilà, mais ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. On est plutôt gâtés au niveau des ressources de ce nouveau territoire. Mais c'est la Californie qui va en profiter, pas nous. C'est dégueulasse. Monsieur l'arbitre, c'est dégueulasse. Ah non. Et encore! Ils sont chiants, les gens, hein. Calmez votre sexe un peu, là. Deuxième armée. Ah oui. Je me demande pourquoi ils sont rouges. Pourquoi ils ont des têtes de mort. On améliore les relations. Est-ce qu'on peut les. On peut pas faire de mariage royal. Est-ce qu'on peut. Dynastie. Est-ce qu'on peut offrir la vassalisation? Une nation, une guerre. Ok, cool. On va pouvoir envoyer un autre. Allez. Défenseur de la foi. Coût technologique plus 5%, j'en refuse. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne veux pas que ça me coûte plus cher. Alors, est-ce que ça se passe bien au niveau des relations? Est-ce que tout le monde nous aime bien? Oh, 0. Plus 22, 0. Et il est temps d'améliorer nos relations, d'aller boire un petit verre avec le russe. Faut te calmer un peu, mon grand garçon, là. Ça sert à rien. Pourquoi tu m'as gagné un. Enfin, t'étais à 0. Friction à la frontière. Ah, c'est parce que peut-être parce que j'ai mes unités militaires pas très très loin. Du cacao. C'est bien aussi le cacao. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on du coup on va pousser nos unités pas voilà, qui ont un territoire entre son territoire et nous, si peut-être que ça lui évitera d'avoir un petit peu de friction à la frontière. 13, alors la friction à la frontière est de 13. Elle est toujours de 13. Et on peut faire de la technologie militaire niveau 15. Tactique unitaire et morale augmentée, ça c'est cool. Donc on est toujours à 16. D'ailleurs, dites-moi si vous savez comment on fait augmenter l'opinion de notre pays par rapport à un autre. Parce que j'aimerais bien que mon pays se mette à bien aimer la Russie, que je puisse me faire allier avec la Russie. Dans l'idéal, ça serait épique. Blablabla. Ça c'est con. Non. Plus de pouvoir aux nobles. Productivité! Ça veut dire qu'il va mourir. Peut-être pas. Il a quel âge? 36 ans, on va pas mourir. Oh! Ah! Ah, le gouvernement a soudainement trouvé la mort. Candidat bureaucrate. Un candidat diplomate. Candidat militaire. Dans l'optique, je dirais bureaucrate, diplomate ou militaire. C'est une très bonne question, ça, mon loulou. Moi, je dirais un diplomate, comme ça, il évitera de nous faire la guerre. Il évitera de nous faire la guerre, comme ça. Gouverneur, il est militariste, mais il est mort. Et à la frontière, permettre, d'accord. On a amélioré nos relations jusqu'à 100. Cool. On est à plus 27. Ah, ils sont en conseil de régence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nous attaquer de suite. Ah. Nous avons remporté un casus belli, blablabla. Pour conquête. Ok. Prestige. On a gagné un truc de plus. On a gagné. Elle est où la colonie qu'on vient de gagner? C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, on l'avait déjà, celle-là. C'est laquelle? On a plus que 3 colonies. Oui, c'est celle-là qu'on vient de gagner. Effectivement, c'est celle-là. C'est celle-là qu'on vient de gagner et elle ne fait pas partie de la Californie. Ce qui est bien, ça. C'est bien, ça. Et je peux investir dans la Californie, tout ça, par exemple, faire des... Voilà, je ne peux plus, en fait. Je ne peux plus recruter de régiment. D'accord. En fait, ça sert à rien. C'est ça, la colonisation, c'est devenu de la merde maintenant. Ça me fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Alors là, ils sont 500. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter un peu l'armée.
Et on va aller récupérer ça là. Il nous faut 5000. 2000. Et ici on va splitter un petit peu. Voilà. Et on va l'envoyer ici. Et ici il va mettre longtemps. Donc on va l'envoyer. Ok, fais ce que tu veux mon grand garçon. Et on aura voilà plus 3, comme ça on sera largement en supériorité numérique et comme ça on va un petit peu unifier tout ça. Bon tant pis, c'est pas grave, les amis sont inquiets, pourquoi? Coup de technologie militaire. Qu'en savent-ils? Coup de technologie militaire, boum! Moins cher la technologie militaire. Oh, des bateaux aztèques. C'est rigolo. Un diplomate qui est arrivé de Russie. Il est arrivé vivant. Comment il a fait? Ils l'ont laissé vivre. Comment est-ce possible? Tu devrais être mort. Estime-toi heureux, mon loulou. Tiens, le chat a mangé le pégou. Tout simplement, pourquoi se prendre la tête? Faut profiter d'une attaque pas très intelligente du pégou. Là, il pensait tenir, hein, mais en fait, non. En fait, non. Et voilà, ben on a fait notre... Attends, j'espère que ça va être que ça qui sera considéré comme la Californie. Et qu'après le reste, ça sera quand même à moi, parce que... Moi, je veux pas savoir, hein. Attends, je me suis gravé le cul à gagner tout ça. C'est pas pour qu'on me le pique dans une colonie à la con. Bon, toujours est-il que... qu'on va s'arrêter ici, hein. On s'arrête ici, ça fait déjà une heure quand même. Ouais, on s'arrête ici. Allez. On s'arrête ici, je vous dis merci de m'avoir regardé. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on attaque le Champa ou pas. Hein, si on attaque ce petit pays ou pas. Et voilà, on voit leurs unités, on voit leurs 14 000 unités. Et donc, est-ce qu'on attaque ou pas, hein. Et voilà. Voilà. Et aussi, voilà, si vous avez quoi que ce soit à dire, peut-être les Aztèques, on va mettre peut-être un protectorat une fois qu'on sera assez près. Parce que là, je pense qu'on ne peut pas. Établir un protectorat. Je sais pourquoi il ne veut pas. Moins 72. Distance séparant les frontières. Opinion d'Aztèque à propos de Ming. Moins 16. Donc il faut qu'ils soient un peu plus nos potes. On va améliorer leur relation avec eux. Alors. Comme ça, dès qu'on aura celui-là, on sera juste à côté d'eux. Donc on pourra établir un protectorat sur les Aztèques. Et les Aztèques seront à nous. Et là, ça va chier parce que là, on va se retrouver avec... Les Espagnols qui sont de l'autre côté. Est entré en guerre contre la chimie pour une guerre sainte. Ok, tu fais ce que tu veux, mon petit loulou. Bon, voilà, on va s'arrêter ici. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis ou sur un autre jeu. Ciao!